bataille qui gagnait entre Israël avec Iran, qui j'en ai. Il y a un pile couverture que vous faites sur cause ça. Il y a un qui dit guerre mondiale, ballon grande ampleur, bagaille ça a débouché, son pile bagaille. Un pile littérature comme quoi le monde est en danger. Des fois, les a présenté Israël, leader de l'Iran, il y a un montre honnête ça, il y a prêt pour la bataille. Il y a des armes nucléaires, vous comprenez, il y a prêt pour craser, briser, il y a pas d'enrance. Mais vous n'avez pas égaré tout. Vous comprenez ce que vous avez dit là. Vous n'avez pas mis avec vous, même par exemple, vous avez des armes, vous avez des armes, vous avez des armes, vous avez tout côté vous montrer. Lors des armes, vous avez des responsabilités tout. Et ça, vous avez une responsabilité, vous avez un pouvoir à gérer, vous n'avez pas tête pété, vous avez réfléchi tout. Vous avez toujours imaginé les conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? La vérité, vous comprenez tout ce que vous avez dit là, vous avez un bon bluff. Et c'est ça qui vient de parler là. Il y a un bon bluff dans la bataille, ça. Il faut que nous disions, puisque, même les parler de leader, ça, il y a tout donné, ça va manger un frère. Il y a des armes nucléaires, la crise. Et bien, vrai. Ok. Nous voilà dans le premier commencement de bataille ça pour nous dire où ça passe. Israël qui a attaqué le consulat, pas vrai, pays Iran dans la Syrie. Iran pense que ce sont des respectants et Iran. Parce que Iran pas sous laisser frapper dans le Middle East. Pas bon monde. Pas bon monde qui t'a aimé la guerre, amis. La guerre pas signe de progrès économique. Tout le monde t'a aimé la paix. Ça, Iran fait. Ils n'ont pas attaqué Israël par surprise. Ils ont même écrit les États-Unis comme quoi. Tenez bien, pas si quoi. C'est comme il t'a dit les États-Unis. M'bral font bagay là, oui. Et ou qu'on est fort après de respectant ça, m'bak a mouté m'lâche. M'bral attaque Israël, mais font les gens aller avec bateau, yo. Comme ma voie missile, ou ap capable de bloquer. Donc c'est comme quoi. Tout le monde connaît Iran pour l'attaquer. Liban ont attaque surprise. En d'autres termes, ça me dit. Iran te vle faire une attaque, mais il te vle minimiser les dégâts. Il mettait tout le monde au courant pour ne pas avoir aucune surprise. Et la preuve, c'est ça. Dans tout missile l'Iran lance, tout intercepté. En d'autres termes, pays Israël pas tellement subi de dommages, non? Oh, quête bagay. Parce que Iran te vle le constat. Iran pas vle pour te. Fait un pile dommage sur le pays Israël. Non, ils lancent son bon rocket, ils voient tout le monde mobilisé pour intercepter rocket. Et au final, ça passe. C'est un petit poussière rocket qui tombe et dans le pays Israël. Ok, mais le monde est à parler, Israël va dans l'avance. Et bien, oui, Israël te vle comme ça. Ok, ça c'est un. Dans le premier film, non? Deuxième film, non, pour comprendre. Et pays Israël, tout qui parle pour te que lâche, il dit la précisive. Au moins, vous comprenez Israël de monter par l'errance ou attaquer. Et qui s'est fait? Et c'est ça pour faire nos. Mais il y a deux pays Israël attaqué. Et qui s'est passé? Pays Israël attaqué Iran. Sous faire nouvelle, qui s'est passé? Pas rien qui est dommage, non? Non, ça nous est le Ifaman Airbase. Tout satellite montre, même Iran, tout ça. Pas rien qui est dommage, non? Ça veut dire qui ça? Iran. En fait, Israël pas voulu montrer que lâche pour attaquer. Ils font des bagages tout, mais pas de dommage. Parce que Israël tout. Tout le monde, ça va nous prendre dans là. Son question d'orgueil, tout le monde pas voulu montrer que vous lâche, il a réagi. Mais tout en même temps, a évité la façon de parler. Mais attention, ça va nous prendre. Mon bagage dit c'est non, jouet, il a baptisé juif. C'est dit, jouet, il a fait là. Li très dangereux tout. Yo te doit intentionnellement yo pas vraiment pour véritable guerre et puis li conduit avec ça. Son jouet qui très dangereux. Est-ce que vous comprenez? Et d'autant plus attaque Israël là. Israël va même revendiquer non. Israël pas revendiquer directement attaque qui fait là. Est-ce que nous comprenons jouet là? Donc, son façon pour dire tout le monde au-delà de tout ça qu'a dit. Le Midéaliste en général, tout gratteur, que ce soit pour l'Arabie Saoudite et la Chine, pas de monde qui pour la guerre. Pas de monde vraiment qui t'a pour la guerre faite. Et c'est ça qui est vérité à un moment là. Ok? Donc,
Mais faut me dire que Israël te bat col parce que il commencé bagarre là, il était attaqué consulat que yo gagné dans la Syrie. Mais après tout l'autre mouvement yo, c'est des mouvements côté que yo pas vraiment pour ta avec des deux acteurs yo. Dans stratégie pas ta vle attaquer. On veut pas ta vle vraiment faire un guerre. OK, donc c'est comme ça pour nous comprendre cause ya. Maintenant, ça va le passer. Est-ce que l'Iran va résister? Et ça vous comprenez, mais quand je vais être dangereux. Tous les deux mondes, que ce soit Iran, que ce soit Israël, ils ont gagné des groupes extrémistes paramilitaires qui ne sont pas nécessairement liés directement avec le pouvoir, avec le gouvernement. Iran gagne. Et Israël gagne tout. Et en pile fois, ils ne pas même contrôler ces groupes. Vous devez avoir des rats pas caca, bon, puisqu'ils ne sont pas caca, parce qu'ils ont un gros âme dans le monde. Et en pile attaque qu'on a fait, qui ne sont pas sortis directement. Le pouvoir, mais un ensemble de groupes qui ont soutenu le pouvoir. OK? Donc, en pile acteur, que ce soit les États-Unis, ils ont attaqué, en fait, ils ont condamné contre-attaque qui était faite par Israël, bien qu'Israël n'ait pas revendiqué le droit de revendiquer. Et ils ont demandé aux communautés internationales pour travailler ensemble pour empêcher les bagages à aller plus loin, qui sont capables de gagner des conséquences. Terrible pour toute région, 1 billion est dépassé. Gagné les États-Unis, par ici le département du Trésor, qui pressé, imposer des sanctions sur deux groupes extrémistes Israël. Pas oublier que, ou toujours gagné, une crise entre Israël et la Palestine dans ce moment-là. Dernier chiffre, il parlé de 34 000 qui t'a mouru. Il dit moun ki mouri nan Gaza 34 000. Non, a été chargé. Il y a toujours une crise justement. Non, laissez frapper qui gagne entre et pays Israël et la Palestine et on a remarqué le dossier ça et l'administration Biden a gagné en pile critique sur lui. Et gagné en pile rencontre qu'a fait là pour qui gère était capable de faire la paix. Gagné leader la Turquie justement qu'a rencontré avec leader Hamas là, on connaît la Turquie toujours joue un rôle intermédiaire pour qui j'ai capable d'escalader causer ça. OK, donc passer zone là là, dans moment vont d'accord, li outil j'ai enflammé et bon bout qui mauvais, c'est le fait que Jean ça Israël a fait Palestine là, gain des alliés tout là-dedans. Mais là on zone ou gain Iran ou gen Irak, ou gen Koweït, ou gen Arabie Saoudite, ou gen Qatar, ou gen la Syrie, ou gen Jordanie, ou gen Lebanon. Sous un tête chargé bien. Sous un tête chargé, dans le Liban, quand on a des Hezbollah qui sont les plus gros milices qui sont dans la région. Mais pas de parler de Hezbollah, c'est des groupes qui sont entraînés et fondés par l'Iran. Et Gaza lui-même, il y a Hamas et les Palestiniens islamiques, des groupes djihad. Qui toujours a lancé attaque sur Israël et c'est quand ça a commencé. OK? L'on dit Iran, ou pas qu'à ignorer que des forces nucléaires de l'Iran. Mais l'Iran a une force nucléaire là. Tout le monde a une force nucléaire, ça, l'Iran a sa politique de déterrence. C'est ça que j'avais tout le monde comprendre. L'Iran a une force nucléaire, et d'ailleurs, il a fait négocier pour l'Iran et essayer de nucléariser, il a fait négociation avec. Mais ça m'a fait tout le monde comprendre. Tout le monde qui a des armes nucléaires, pas de gens qui ont intention d'utiliser. Non? Y a des gens qui disent, écoute, hey, attention, j'ai des armes nucléaires, tout contrôle, prend distance. Y a des ça comme un signe de déterrence pour tout le monde qui t'avait attaqué. Parce que tout connaît, l'utilisation des armes nucléaires dans le cadre de laisser frapper, c'est que son bataille perdant. Et c'est ça, son bataille perdant, les vignes. OK? Donc voilà, guys. On a de toutes sortes de cap dit là, m'dave nos clés. Nèg yo pas égaré, yo pas des goyil comme si depuis gen zam k'ap tire popo pou l'écraser. Yo konnen yo bon pays. Yo konnen yo bon avenir pays sa pou sauvegarder. Donc ça t'a veut dire que les décisions sont toujours mesurées. Mais attention, j'en dis. Effectivement, gen danger, son jouet dangereux k'ap jouer là. Mais si on fait l'histoire, gen ensemble de guerre qui te commencé, c'est pas de sa intention. Mais développement conduit avec guerre. Et c'est ça là qui est dangereux dans le moment. OK?